Bonsoir tout le monde, c'est Thomas, et après la maître classe de Gigi la semaine dernière, on va commencer tout doucement, on ne se presse surtout pas. Ouais, là il y a le choc fait dodo, mais en fait je peux pas streamer à cause de lui là, c'est plus possible. Mais il va se réveiller, c'est sûr, regardez, hein. Dites-moi quand il se réveille. Hein. Ça y est, il bouge. Ok, s'en bat les couilles. La semaine dernière chez Gotha, les viewers sont venus défendre leurs incroyables talents. Monocyclistes, hypnotiseurs ou encore cracheurs de feu se sont relayés pour faire rêver le jury et la prestation de Florian a littéralement mis en PLS tout le monde. Je pense que là, on est plutôt pas mal. En fait, ce qui va se passer, Gotaya, c'est que je vais juste mettre ça sur un fond noir, d'accord, fond noir classique. Je t'ai posé la question, c'était un homme, tu m'as répondu oui. Est-ce que tu peux montrer, s'il te plaît, à la caméra et même le dire à haute voix, le nom de la célébrité que t'as choisi? J'ai mis Freddie Mercury. Avec un cœur en plus. Avec un petit cœur. Et tu sais à quoi il ressemble, à peu près? Ouais, non. Tu veux que je te rappelle un souvenir? Cheveux longs, non? Il ressemble à ça. Oh là 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 là, putain, c'est trop chaud. Quoi? C'est trop chaud, il est trop chaud. Si vous n'êtes pas impressionné, je vais vous demander de mettre un peu de respect sur ce monsieur qui maîtrise un art martial ancestral. Attention les yeux et les oreilles. C'est bon? Bah vas-y, bon, vas-y Marcel, bon courage. Je sens la vanne, je sais pas pourquoi. Attaque du poulet! Ah. Poulet! Et voilà. Alors attends, moi je me permets, du coup... Nouvelle soirée de la team du lundi et tiens, comme c'est bizarre, JDG n'a plus de carte de crédit. Et cette fois-ci, la raison va vous étonner. Comment ça t'as plus de carte de crédit? Ben je l'ai annulé. Ah oui, et t'as pas de compte PayPal, c'est ça? Et j'ai pas de compte PayPal. Pourquoi t'as annulé ta carte de crédit? T'as eu un souci de ça? Parce que... t'as cru la perdre et en fait elle était dans ton Parce bouillon, que je me faisais débiter de l'argent pour une association sur la sauvegarde des animaux et je savais pas pourquoi parce que j'avais jamais donné à ça. Et du coup j'ai annulé ma carte. Il a préféré annuler sa carte bleue alors qu'il est plein de fric plutôt que de donner 15 balles par mois pour les animaux. Oui, mais c'était en Angleterre. Ah, alors là, oh, si c'est des animaux anglais. Jeanne d'Arc, elle a cramé. Elle a cramé, c'est pour la France contre les Anglais, n'est-ce pas? Oh, jamais de la vie, je donne pour les animaux d'Angleterre. Pas besoin de ressortir la carte pour jouer à Among Us, en tout cas. Et avec OP dans son équipe, c'est franchement imperdable, hein. Mais ta mère, mais c'est... Je sais... Mais j'ai pas fait exprès. Oula, ouais. Excusez-moi, mais... moi, j'ai pas fait exprès. En fait, j'étais en QWERTY, là, j'ai pas fait exprès. Ah bah super. On en a vu des choses cette semaine et on va encore en voir, mais le Tiki qui s'énerve comme un quarantenaire sur TikTok, ça, c'est le divertissement, messieurs dames. Derrière toi, c'est un mur porteur, mais les gars, j'en peux plus. Mais c'est quoi ce message? C'est un truc, il y a une ref à ça? Parce que ouais, il peut porter ta grand-mère si tu veux, frère, le mur porteur, regarde. Je mets son drapeau si tu veux, je la mets assis. Tout le temps, ils disent est-ce que c'est mur porteur? Je vois bien que non, frère, je pense que c'est mur porteur déjà. Porte rien du tout, le mur, hein. Sinon, je suis bien obligé de faire un petit passage sur le jeu du moment qui enflamme Twitch. On commence quand même à s'inquiéter, hein, pour Croco et sa véritable addiction pour la pastèque. Même si on ne va pas se mentir, on vit vraiment pour ces moments-là. On pousse et en même temps, ça va pousser vers la gauche. Et on a la nan... Direction le stream de Sadio maintenant pour découvrir un tout nouveau jeu. Enfin, pas si nouveau que ça, en plus d'être une OP. Sachez qu'on a affaire au meilleur vendeur de la plateforme. 40 minutes sur le mauvais jeu, c'est un record. Les gars, j'ai reçu un mail. Si vous voyez le mail, les gars, vous êtes morts de rire. Wesh, il m'a dit... Ah, il m'a dit, je suis trompé de jeu. Eh, je suis un connard. Les gars, je suis trompé de jeu. Attendez les gars, mayday, les gars, attendez les gars, mayday, on va essayer d'améliorer ça les gars. Un autre type d'OP chez Dwagby, mais une OP qui peut sauver des vies. Prions seulement pour que personne n'ait besoin d'être sauvé par Gypsy et Maxime. Aïe! Oh! Ah oui, d'accord! Eh! Ok! Regarde, j'ai un coup, ça gicle par terre, il y a du sang par terre! J'ai un coup, ça, je peux faire une compression! Faites gaffe, regardez, oh, une nouvelle tâche! Oh non! Ah. Arrêtez de tâcher comme c'est ça! C'est impossible, je comprends sa plaie là! Vous savez comment ça coûte ce parquet type Versailles? Ouais, c'est bien, au moins! Encore un autre! Ça la tient au chaud, vous avez raison! Elle a encore froid! T'as encore un peu froid? Parce qu'on a encore du lit là! En plus, c'est normal le froid! Mesdames et messieurs, ne soyez pas choqués, c'est normal le froid entre le choc qu'elle vient de subir, hein, qui du coup fait baisser la température, voilà, le sang qu'elle est en train de faire. Là, je pense qu'elle est bien. Là, normalement, t'as plus trop froid. Là, normal. À croire que les ouaves étaient de sortie cette semaine. Chez Amin, par exemple, rien de moins que les Power Rangers pour une petite séance de tir au but. On se demande qui peut bien se cacher sous ces masques. Ah, c'est des nouveaux participants.
Mais qui êtes-vous? Tu croyais qu'on allait faire? On vient pour niquer ton âge. Mais pas ce soir, c'est bon, les 2000 balles. Vous voulez participer et tirer, c'est ça? On va participer. Bon, rendez en rouge, s'il vous plaît. C'est votre tour. Non, pas rendez en rouge. Non, mais c'est Grim, mais non. Non, non. Mais non. Bon, rendez en bleu. Ok, 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 ok. Oh, mais qui êtes-vous? Il a quand même un petit flow le Yanou dans sa combi moulante, non? Après les trois étapes de l'ascension, c'était l'heure du grand final ce week-end à l'aréna de Montpellier devant 6000 personnes et quelques supporters nostalgiques sont venus avec le vieux tifo de la TM Cup, histoire de le rentabiliser une dernière fois quoi. Regarde, ils ont pris un tifo! C'est incroyable hein. Mais c'est pas la bonne compète les gars. C'est pas la bonne compète. C'est pas la bonne compète. Mais c'est Ah, il y en a un deuxième. Ah, le deuxième. Oh oui. Oh oui. Incroyable. Ascension 2023 Montpellier. Incroyable public, incroyable ambiance, scénario de fou qui permet à Gwen de venir arracher la victoire. GG. Gwen Hartani Ricard Junior, ce sera peut-être l'un des trois qui finira si Gwen termine premier. Comme c'est le cas actuellement, il gagnera la première édition de l'ascension. Mais Hartanir. Mais Hartanir est pas loin. Hartanir. Hartanir est pas loin. Mesdames et messieurs. Mais Hartanir. Est-ce que Gwen passe? Mais Hartanir. Hartanir pour l'instant premier. Mais Hartanir. C'est terminé. C'est Gwen. C'est Gwen qui gagne. C'est Gwen. C'est fini. C'est Gwen. Gwen remporte l'ascension. C'est bien évidemment sur ces images que se termine le rewind de Twitch, mais je vais laisser Zerator conclure avec sa phrase légendaire, et je vous dis à la semaine prochaine. Il va le faire. Et je vais vous le dire, mesdames et messieurs, parce qu'il y avait beaucoup de gens devant, près de 100 000 viewers, Gwen soulève le premier titre, attention!